Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Lucie. Et bon, on est heureux de vous retrouver pour nos vendredis. Mais voilà, c'est les vacances, mais on vous a trouvé un petit créneau pour notre petit rendez-vous du vendredi. Hein. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Exactement. Alors nous d'abord, et puis en plus à partager. Alors on a pris une recette qu'on peut faire, qui plaît aussi au grand qu'au petit. Exactement. Hein? Et vous pouvez même laisser les enfants, je dirais, à partir de 9-10 ans. Ouais. Réaliser tout seul la recette, vous allez voir qu'ils sont assez fiers de pouvoir se faire eux-mêmes leur petit goûter. C'est ça. Comme à la boulangerie. Exactement. Et puis avec plus d'amour en tout cas. Exactement. Eh bien écoute, on y va. Voilà, allez, c'est parti pour notre petite recette de chouquette maison grâce à Thermomix, bien sûr. C'est parti. Alors, tout d'abord, ils nous demandent de mettre de l'eau. Alors comme d'habitude, hein, on a pesé bien sûr en amont les ingrédients. Mais la balance intégrée avec le Thermomix est là normalement. Hop. Donc, du beurre. Exactement. 80 g de beurre coupé en morceaux. Hop. Une pincée de sel. Hop là. Hop. La petite pincée. 2 cuillères à café de sucre en poudre. Très bien, madame. Environ 10 g. Alors. Ça pourrait être rigolo un jour d'essayer de faire des petites chouquettes avec du sucre aromatisé. C'est ça. Tu sais, sucre fraise tagada, carambar. Carambar. Oh oui, avec le carambar, ça doit être sympa. Ouais. À tester pour une prochaine fois. Le couvercle et le gobelet doseur pour notre première manipulation. Donc là, il va nous chauffer tout ça. Oui. Donc 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. C'est parti. C'est parti. Sonnerie de fin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, notre beurre, effectivement, est bien fondu. Voilà, on vous montre quand même. Ouais, on la remonte. Ah oui, on la remonte, toujours. Voilà. J'espère que vous voyez. Oui. Donc, le beurre est bien fondu. C'est bon? Hop. Tout le monde a bien vu. C'est parti. Ensuite, notre farine. Alors. 120 g de farine. Alors, l'avantage de faire ça, ce qu'on appelle sa pâte à choux au Thermomix, c'est que la température est maîtrisée correctement, ce qui vous permet d'avoir une réussite assurée. Tout à fait. Vous allez voir qu'elles vont bien lever au four, c'est super. Donc, le couvercle et son petit gobelet doseur. Donc là, on est parti sur 20 secondes vitesse 4. On va tout simplement mélanger notre farine à notre beurre fondu. Tout à fait. Et eau. 20 secondes plus tard, on a effectivement notre farine qui est bien incorporée. Et c'est très chaud. Voilà, vous voyez comme... Parfait. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Suivant. Important. Très important. Retirez le bol et le laissez refroidir 10 minutes. Alors, retirez le bol tout simplement pour bien que ça refroidisse partout. Tout à fait. Et 10 minutes. Alors, ne le mettez pas dehors. Hein. Faites-lui pas un choc thermique. Ah non, surtout important. Pas pour dire on veut gagner du temps, on mettra 5 minutes. Non. Non. Vous laissez tranquillement reposer. Voilà. Effectivement. 10 minutes, c'est assez rapide. Suivant. Pendant ce temps-là, on commence à préchauffer son four à 200 degrés avant de préparer la petite plaque. Oui. Voilà, exactement. La plaque de papier sulfurisé. Et voilà. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Une fois que c'est bien refroidi. Ouais, alors une petite technique aussi, si vous voulez refroidir un peu plus rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez là tourner un petit peu. Et en fait, du coup, ça va permettre de refroidir un peu, ne pas faire le choc thermique comme tu as dit. Hein, et effectivement, hop, là, d'aérer un peu la pâte. La pâte. Voilà, mais on va laisser le temps et on va le laisser poser. Voilà, 10 petites minutes. Oh, et on va rester 8 maintenant. Allez, 8, on a été bavard. Et bon, on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Ah, bah écoutez, hein, on n'a pas poté pendant ce temps-là. Et on va remettre le bol sur notre support. Comme il nous le demande. Hop là. Alors, on met dans l'axe. Hein, oui, mais quand on est derrière, c'est pas forcément évident. Hein. Alors, dis-moi. Alors, suivant, insérez le couvercle. Le couvercle. Sans le gobelet doseur. Sans, c'est pour ça. Mais voilà. Oui, tu fais trop souvent la recette d'instinct. C'est ça, exactement. Alors, suivant. Donc, vous voyez, là, il nous a mis l'écran. Il nous dit, tournez le sélecteur sur vitesse 5 en attendant, passez sur l'étape suivante. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie avant sur suivant pour dire qu'est-ce qu'il va me demander. Qu'est-ce qu'il va me demander? Donc là, il va me demander d'ajouter les 3 œufs un par un,
par le couvercle sur les couteaux en marche. Après rajouter le dernier œuf, arrêter les couteaux. Tout simplement pour que ça mélange progressivement. C'est ça. Donc, petite flèche, on revient en arrière. Et on fait ce qu'il nous demande. Vitesse 5. Et là, j'y vais. Attends, j'y vais un par un. J'ai... D'accord, pour les œufs. C'est parti. Alors. Et de 1. J'attends un petit peu, hein. Aussi à l'œil, hein. D'accord, l'avantage, hein, c'est aussi ça, de maîtriser la pâte. Voilà. Donc on était sur 45 secondes de mémoire. Ouais, encore un petit peu. On est bien là, on est bien là, ça va être très très bien. C'est bon pour toi? C'est très bien pour moi. C'est parti. C'est très très bien pour moi. Alors. Donc, ils nous disent de mettre 30 secondes, mais ça va. On a exactement voilà. la texture qu'il nous faut. Hey, on est des experts, on n'est pas. Alors voilà, vous avez vu donc la consistance que vous devez donc obtenir. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Transvaser dans donc la pâte, dans la poche à douille. Alors, pendant que je le fais, Aline va vous expliquer par quoi on peut remplacer sa poche à douille quand on n'en a pas. Exactement. Alors, effectivement, hein, nos trucs, nos astuces, c'est aussi ça. On n'a pas forcément de poche à douille. Tout simplement, système D. Et nous, on adore les systèmes D. Exactement. D'accord. Vous prenez tout simplement un sac de congélation, moyen à peu près, hein, et vous mettez effectivement dans la poche à douille. Et parce que vous faites pour que ce soit plus facile pour effectivement mettre donc la pâte à l'intérieur, c'est vous le mettez dans un petit support un peu haut, où vous mettez votre poche à douille un peu en mode chemise, enfin voilà, vous mettez les bords au-dessus comme on a comme fait ça, ici. Voilà, elle tient bien. Et avec la spatule, vous pouvez racler. Voilà, exactement. Et puis une fois que tout est bien rempli. D'accord. Et hop, vous pouvez effectivement donc resserrer le sachet, bien le fermer et vous mettez un petit coup de ciseau au bout et vous avez votre poche à douille maison. Exactement. On fait tout maison ici. Alors un petit coup de ciseau, je viens un petit coup de ciseau. Un petit coup de ciseau, mais oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils sont où mes petits ciseaux, ils sont là, hop là. Alors on descend. Oui, on la descend. Alors un petit il y a un petit peu d'air donc. Vas-y. C'est bon? Ouais. Alors, plus ou moins gros, hein. Voilà, si vous voulez faire des grosses chouquettes ou des petites. Et cette technique, hein, on vous l'a déjà montré lors d'une autre recette, notamment sur la. Qu'est-ce qu'on avait fait? Sur la tarte aux fraises, sur la. Exact, pour dresser la mascarpone, la crème mascarpone. Donc, pareil, hein, vous utilisez cette technique-là. Hop. Et puis, alors, une autre petite technique. Et ça, je l'adore, celle-ci. Vous prenez un petit peu d'eau et vous mettez en fait de l'eau sur les quatre coins de votre papier de cuisson. Ça évite effectivement ça permet qu'il colle et qu'il effectivement attache bien votre plaque. Voilà. Ah. Bah, écoutez, Lucie en tout cas, elle nous fait ça magnifiquement. Là, franchement, ils sont belles. Alors là, vas-y. Écoute, je te remplis la plaque comme ça, après on leur montre pour le sucre. Voilà, exactement. Alors oui, ma technique de sucre, alors toujours dans la générosité. Vous allez voir. Hop, regarde. Eh ben, elles sont bien belles. Alors pour des profiteroles, mais c'est juste topissime ça. Alors, on échange de place et du coup, je vous montre comment bien perler vos chouquettes. Donc là, vous y allez d'une manière généreuse. Hop. Vous y allez. Hop. Voilà. Et puis, hop là. Vous faites ça. Vous les collez bien partout. Comme ça va bien les coller. Hop. Et vous aurez du sucre bien partout. Voilà. Vous pouvez, hop, remettre ça ici. Hop. Et vous avez là des super chouquettes qui seront
belle, bien riche, qu'on va bien déguster avec les enfants tout à l'heure. Exactement. Donc n'hésitez pas à la faire, vous voyez, c'est assez rapide. Et nous, on veut des photos. N'hésitez pas à nous publier vos photos, nous mettre vos recettes quand vous les retestez chez vous. C'est vraiment génial. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à enfourner. Tout à fait. Donc là, il nous demande d'enfourner les chouquettes pendant 20-25 minutes à 200 degrés, donc le four qu'on avait préchauffé tout à l'heure. C'est parti? Et voilà, et bien écoutez, bon, bah, à tout de suite pour le résultat final de vos chouquettes. Le four a sonné il y a quelques minutes. Quelques minutes, exactement. Et on a en fait entrouvert un petit peu donc le four hein, pour éviter que vos chouquettes redescendent. Donc voilà, hein, c'était aussi l'occasion de vous expliquer. Et, puis, bah, et on va vous montrer le résultat. Le résultat, bah, elles sont en live. Magnifiques. Elles sont bien reflées, on a respecté exactement ce qu'ils nous ont dit, donc surtout de ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Regardez ces belles chouquettes. Super, oh là là, attention Aline, ça va glisser. Mais non, oh la confiance. Regardez-moi ça, elles sont splendides. Ah, puis il y a encore le sucre qui... Regardez, pour faire des profiteroles, ça donne pas envie ça? Ça, est-ce que ça donne pas envie ça? On va pas croquer dedans parce que ça fume encore. Voilà. On va juste les dresser pour les enfants. Voilà. Mmh. Je peux vous dire qu'à l'odeur, ils vont pas tarder à rappliquer. C'est ça, exactement. Hop. Eh bien écoute, des belles chouquettes. Voilà. Écoutez, elles sont juste splendides. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les déguster avec les enfants. Tout à fait. Et puis, bah, on vous retrouve vendredi prochain pour une petite recette. Alors, un peu sympa, puisque du coup, c'est quoi la semaine prochaine? On leur dit? Non, je pense qu'on va garder un petit peu de surprise pour vendredi prochain. Fin des vacances, donc on va vous trouver un petit créneau pour vous retrouver vendredi avec grand plaisir. Profitez bien de vos vacances en famille, en cuisine. C'est ça. Surtout, et puis, partagez-nous vos recettes aussi. Voilà, on aime toujours. Vous allez cuisiner avec les enfants durant ces 15 jours. C'est ça. On sera ravis de. Peut-être vous pourriez nous donner des nouvelles idées aussi. C'est toujours sympa de partager tout ça ensemble. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite. Bonnes vacances. Bonnes vacances.